Aujourd'hui, et c'est en vol du Rooster. Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo du test en vol du Harmattan Rooster qu'on a monté donc pendant ces derniers tutos. Je voulais en profiter aussi pour remercier toutes les personnes qui ont commenté, liké et qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup à vous. Et puis, sans plus attendre, on passe à la vidéo de l'essai en vol et puis je vous donne mes impressions tout de suite après. Allez, c'est parti pour l'essai en vol. On va armer et on décolle. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que c'est très 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 verrouillé. J'ai l'impression vraiment d'être sur des rails. Et aussi l'impression que mes sticks en fait sont les manches. La sensation aux manches, c'est d'avoir des manches un petit peu plus dures. Je suis impressionné parce qu'il est, il est vraiment super bien calé sur trajectoire. C'est impressionnant. On va essayer un petit power loop. Bon, il y a ce qu'il faut en puissance, hein, il n'y a pas de problème. Alors on va voir comment réagissent les PIDs. Ça verrouille bien. Donc ça c'est sur le pitch. Et sur le roll c'est pareil, c'est super net. Alors, on va voir le prop wash aussi un petit peu. 30 seconds. Oui, il y en a un petit peu quand même. Donc peut-être que les dés demanderaient à être un petit peu retouchés. Alors, dites-moi. 9, 8, 7, 6, 5. On va attendre qu'il ait fini. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai l'impression qu'il faudrait mettre du dé sur l'axe de sur le roll. Ouh, c'était pas mal. Parfois on essaie des figures, c'est un petit peu compliqué. Allez, on va se poser. On va pas le casser tout de suite quand même. Et on va souffler. Ouh. Et c'était pas mal du tout. J'enlève tout, je débranche et puis je vous donne mes impressions juste après.
Alors comment vole ce rooster? Eh bien très très bien, pour un premier vol je suis vraiment satisfait. Tout ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rentré mes rates dans Betaflight, donc la version 4.0.2, et puis après j'ai volé. Et je trouve que c'est la version la plus aboutie de Betaflight, j'ai bien l'impression, parce que je me suis tout de suite vraiment senti à l'aise avec les réglages. Alors vous avez peut-être vu, il y a un petit peu de prop wash que j'ai un peu provoqué, donc il y aura peut-être un petit peu de réglage à retoucher là-dessus, mais pour un premier vol, je dois dire que je suis vraiment satisfait. Donc après, à voir sur la durée, mais je pense que le choix des composants, il est pas mal. Les moteurs, ils sont coupleux, ils sont progressifs à souhait. Quand on a besoin de puissance, c'est là tout de suite. La caméra, je ne vais pas revenir dessus, une Fox Air Predator V2, ça fonctionne très très bien. Je l'avais déjà sur le bandeau Killer et c'est vraiment une super caméra. Pour la stack, la Mamba, au jour d'aujourd'hui, ça marche bien. Je vous ferai peut-être un retour dans quelques mois pour vous dire si ça marche toujours aussi bien. Mais j'en suis satisfait, c'est vraiment sympa, elle est correcte. Et puis je trouve que le rapport qualité-prix, voilà, aujourd'hui il y a très très peu de concurrence. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a de la concurrence à la Mamba, si vous avez des produits qui sont équivalents et puis performants à peu près dans le même ordre d'idée. Le VTX, le Matec HV. Qui fonctionne très très bien. Là je volais pas très très loin, mais j'ai pas eu de coupure. En plus vous pouvez voir, hein, j'ai la petite Lollipop, donc il y a vraiment pas eu de soucis. Et puis aucune ligne, aucun brouillage au niveau du retour vidéo, donc ça c'est vraiment appréciable. Donc voilà. Et puis le rooster, un châssis qui est éprouvé, qui a été piloté par plein de pilotes dans le monde et qui adore. C'est pour ça que je l'avais sélectionné. Donc vraiment un super châssis. Et puis le Crossfire, voilà, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les antennes. Une personne a fait un commentaire sur une de mes vidéos en me disant de mettre les antennes donc dans ce sens-là, enfin les supports d'antennes, de les retourner pour éviter justement qu'elles soient trop près du carbone et éviter d'avoir des interférences. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc merci à toi, je ne me rappelle plus ton nom, mais merci à toi pour ce conseil. Et puis, quoi d'autre à dire? Je vais continuer à voler avec là cet après-midi, je vais me faire plaisir. Et puis, je vous ferai des vidéos bien sûr avec ce drone. Et puis aussi encore avec le Bandeau Killer que j'aime beaucoup. Bandeau Killer, c'est un très très bon drone aussi. Donc voilà, écoutez, en tout cas, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de très très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao !